my champions around the world. Open your eyes, the sun comes up. You've been waiting this time, and now we are the champions. Stress is your colors, nation. You're going to the stadium. Everybody do the same. We are the champions. What makes people happy? Just because of feeling free. Waiting for the winner. We are the champions. Hello, tous les internautes d'Imaramedia.com. Nous sommes dans les coulisses, toujours du clip, du tournage du clip We Are the Champion. Et j'ai l'honneur d'être à côté du grand jazzman, le légendaire Manu Dibango. Comment vas-tu? Bonjour ma belle. Alors la question que je me pose, oui, c'est comment est-ce que tu fais? Parce que tu as 79 ans, mm-hmm, tu peux en être fier. Comment, oui, tu fais pour, ben, avoir je suis fier, toute cette énergie, toute cette inspiration, toute cette créativité? Comment tu fais pour garder tout ça? Écoute ma fille, tu sais, chacun a son karma dans la vie. Il n'y a pas deux formules qui se ressemblent. Je constate que j'ai la chance d'être encore là et d'avoir la passion de ça. Donc si je connaissais la formule, j'allais la vendre pour aller me reposer. Oui, hein, non, tu mais oui, oui. Soit on peut te considérer comme un champion de la musique par rapport à ce beau parcours. Qu'est-ce que ce message qui est divulgué un peu à travers cette chanson symbolise pour toi? Mais déjà qu'il faut croire en soi et qu'il faut croire à l'effort personnel pour arriver, quel que soit ce qu'on fait, hein, dans la mesure où on fait des choses positives, que ce soit le sport, que ce soit la musique, les arts en général, ou bien tout simplement le boulot que tu as à faire dans ta vie, va au maximum de tes possibilités. Et il y a peut-être au bout le fait que tu peux être champion de quelque chose. Le but, ce n'est pas d'être champion, le but, c'est de surmonter les épreuves qui sont, de toute façon, qui font partie de la vie, quoi. Bon, évidemment, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais au moins, ceux qui sont élus donnent l'exemple aux autres qu'on peut faire. Tout à fait. Voilà. On a de très bons artistes de talent. On a Chris, ouais, Hurt, qui vient de Los Angeles. Ouais. On a également Shanice, qui, mm-hmm, est présente. Mm-hmm. Lady Pons, ouais, qui donne aussi le tempo, ouais, à côté de toi. Également, Djibri Cissé. C'est une belle collaboration comme ça de personnes qui viennent un petit peu de partout. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette rencontre en l'honneur de ce titre? Moi, je crois que c'est une bonne idée, d'ailleurs. Hein, en dehors du fait que c'est une leçon pour les jeunes, qu'on peut faire autrement que d'attaquer les gens, on peut faire autrement que de tourner en rond. On peut essayer de s'en sortir autrement. Et puis, venant d'horizons différents, et Djibril, voilà, tout le monde connaît, je veux dire que c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine. Hein. Bon, toutes les personnes que vous avez citées là, chacune d'elles a réussi. Lady Ponce, c'est une énorme vedette au Cameroun. Ce sont tous des gens qui sont partis de rien, hein, et qui ont bossé, quoi. Donc, bosser, mais dans la joie. Voilà, en l'occurrence, quelque chose de constructif. Voilà. Toi, ton univers à toi, c'est le jazz. On ne va pas se le cacher, c'est vraiment C'est la musique en général, la musique black. Donc, à propos de ça, black and proud, quoi. Oui. N'oublions pas. Voilà, derrière, quand même, on peut. Mais qu'est-ce que tu penses, justement? Parce que là, on est dans un registre un peu afro-électropop façon. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution, justement, de la musique? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce type de musique qui est très présent dans la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, en général, les musiques populaires épousent leur époque. Nous sommes dans une époque d'électronique, nous sommes dans une époque de PlayStation. La musique qui sort de là doit refléter l'ambiance dans laquelle on vit. Mais c'est toujours la musique, de toute façon, elle est toujours là. Elle passe par tous les supports, il y a des nouveaux supports. Tu prends ton téléphone maintenant, tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire qu'il y a 10 ans que la musique pouvait passer par le téléphone, Internet pouvait passer par le téléphone, tous les messages que tu veux pouvaient passer rien que dans un petit appareil comme ça. Tu as le monde entier dans un petit appareil. Ouais, donc ça épouse forcément son temps. Mais comme d'habitude, il y a musique et musique, il faut choisir la sienne. Et tu as le choix, tu as beaucoup d'artistes maintenant, beaucoup plus qu'à notre époque quand on a commencé. Oui. Tu vois?
Mais maintenant, tu as le choix. Et le choix, c'est toujours difficile, hein, parce que vraiment, on te propose tellement de choses qu'à la limite, même acheter un disque maintenant, ça devient... Hein? Voilà, on peut télécharger. Oui, voilà. Les sites internet. Ou voilà. Sûr. Donc, il y a une autre façon de consommer la musique, d'ailleurs. Hein? Tout à fait. C'est un produit de consommation. C'est Avant, vrai. On écoutait, maintenant, on consomme. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton actualité? Parce que je sais que ton dernier album, c'est Past, Present, Future. Voilà, mais il y a les trois là-dedans. Exactement. Ça part, tu t'inspires, en fait, de ton expérience. C'est ça? Eh bien, le but de cet album-là, d'ailleurs, c'était d'inviter des jeunes, de leur donner des morceaux et de voir comment ils réagissaient avec ces morceaux. Et en fait, moi, je suis témoin. Dans mon propre disque, je suis témoin et c'est la première fois, c'est une bonne expérience, quoi. Tu vois, les passis sont passés là, les oum sont passés, énormément de jeunes sont passés dans le disque. C'est intéressant parce que c'est un angle qui permet aux uns et aux autres de... D'abord de pérenniser ce que j'ai fait et puis de se l'approprier, d'en faire quelque chose d'autre. Quand je regarde un artiste emblématique comme toi, ouais. Quelqu'un comme Manu Dibango, qu'est-ce qui est plus important pour lui que la musique? C'est une colle ça. Non, il y a simplement la vie avec la famille. Mais ce n'est pas plus important, il n'y a pas de niveau... Forcément, c'est la musique qui a fait peut-être que tu as rencontré les gens que tu devrais rencontrer. C'est à travers la musique que tu t'es marié, à travers la musique que tu as pu avoir les enfants et tout ça. Ça fait partie de la musique, donc. Hein. Et la musique, tu l'as choisie, ou elle te choisit, ou vous vous choisissez. On ne sait pas à quel moment la mayonnaise prend, quand elle prend. Mais une fois qu'elle a pris, c'est autour de ça que tout tourne, autour de vous, quoi. Si vous venez à la maison, vous voyez que tout est musique chez moi. Ça ne m'empêche pas d'être père, grand-père, voilà. Arrière. Pas encore arrière, mais grand-père, oui. Est-ce que tu pourrais avoir un message, juste avant qu'on se quitte, pour les personnes qui ont déjà entendu le son, qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce clip qu'ils vont bientôt découvrir? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de patienter encore un peu? Ben, il faut patienter, mais il faut savoir que le sport et la musique sont mariés pour nous. Hein. Donc, s'ils voient Djibril qui pense au clip, s'ils voient Manu qui pense au clip, s'ils voient Lady Ponce qui pense au clip, et qu'ils se disent que bon, ben, on est toujours en activité, quoi, et que voilà, on pense à eux, et que ça fait une communauté d'esprit. Voilà. D'accord. Manu Dibango, merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur de cette interview. Merci ma belle. Et vive la Guyane. Très bonne continuation. Ok ma belle. Au revoir.